Yeah, shove up. Watch. Dominique, pourquoi est-ce que vous êtes dans le boudoir? Attendez une minute. Vous n'êtes pas Dominique. Je m'excuse, mais est-ce que... Quoi? Rien, mais votre langue est un peu improper pour ce film. Quelle langue? Ce n'est pas amusant, vous savez ce que vous dites. Non, vraiment, je ne sais pas. D'accord, vous savez que vous dites M-E-R-D. J'ai dit que je m'appelle Merde. Vous savez, M-E-U-R-B-E. Ah, je comprends. Continuez. D'accord. Je suis à mon bureau, un peu ivre. Je me suis réveillée par un coup à la porte. J'ai dit... Entrez! Elle était grande, avec les cheveux blondes. Elle était hystérique. Mon poing, mon poing! Au secours! Elle a tué mon maître, elle est morte, mon poing! Elle a dit que quelqu'un a volé sa boîte, mais je n'ai pas compris. Madame, je ne comprends pas. Je suis rentrée et j'ai trouvé ma boîte qui manquait et mon maître est mort. J'ai besoin de secours. Elle a dit que elle avait besoin du secours. Et je pensais que je pouvais lui donner le secours. Vraiment? Parce que sa boîte est très très importante. Et qui sait dans sa boîte est inconciliable. Je sais les personnes parfaites. Oh, merci, merci beaucoup! Allô? Salut, c'est moi, Merde. J'ai besoin que vous m'aidez pour résoudre une affaire. Tout de suite?
Oui, ça devait être très important. D'accord, nous vous aiderons. Qu'est-ce que vous voulez que nous faisons? Allez chez Jeanette et voyez si vous pouvez trouver quelque chose de soupçonnel. D'accord. Come. Ange, nous avons un travail! Oh, nous nous amuserons beaucoup! Allez! Très grand! Mère va dire seulement que Jeanette et sa gouvernante Dominique vivent ici maintenant. Bonjour, nous sommes Ange 1, 2 et 3 et nous travaillons pour détective privé mère. Est-ce que nous pouvons surveiller ici, s'il vous plaît? C'est d'accord pour moi. Mais si vous m'excusez, je dois faire la lessive. D'accord. J'ai trouvé un livre qui s'appelle « Comment cambrioler une maison pour imbécile » et le nom qui était écrit à l'intérieur du livre a dit « Monsieur Baudet ». Mais ça, c'est le nom d'un homme. Tu sais, le gouvernement était un peu musculaire. Et un peu poilu aussi. Excusez-moi, madame. Dominique? Je vous kidnappe. Qu'est-ce que nous avons ici? Ah, très bon. Une femme attachée à une chaise. Ah, c'est vrai. Je t'ai mis ici. Il y a une chose que j'aimerais savoir. Où est la clé de la boîte? Qu'est-ce que c'est? Je ne comprends pas. Ah, tu as une chose dans la bouche. Je vous dirai jamais. Vous ne pouvez pas ouvrir ma boîte, porc. Je devrais manœuvrer, hein? Je devine que je devrais la tuer. Un téléphone stupide. Ah, oh, un coup de mère. Tu es pas le téléphone. Allô? Si vous voulez revoir votre fille, venez à l'entrepôt, à la 30e rue. Vous ne pouvez pas m'attraper. Ah, il est là! Ah,
mon Dieu, où sommes-nous? Je ne sais pas, mais pourquoi est-ce que c'est si sombre ici? Parce que vous êtes dans mon ternière secrète. Bienvenue à la ternière du dragon. Ici, vous pouvez crier, mais personne ne vous trouvera jamais. Qu'est-ce que vous voulez? Madame, vous ne verrez pas la boîte jusqu'à ce qu'elle sache que tu l'espoir est perdu. Quand elle découvre que je vous ai attrapé, le secret sera le mien. Mais naturellement, je suppose que vous ne deviez pas vivre. Wahahaha! Préparez-vous, vos morts. Faites la reconnaissance de mes amis. Il vous attendra pour le dîner. Nos pistolets à laser dans notre rouge à lèvres. Je savais toujours que ces trucs seraient utiles. Ici. Voilà, c'est notre boîte. Merci, vraiment. Merci beaucoup. Whatever. Ici. Voilà, c'est votre boîte. Merci, vraiment. Merci beaucoup pour m'avoir libéré. Je pensais que je ne verrais jamais la lumière du jour. En échange pour vos services, je voudrais vous offrir aperçu du trésor secret dans la boîte. Passer qui vient, brillant au mieux de ma vie, avec mentos frais et plein de la vie. Rien ne vous arrive, restons frais, avec mentos frais.